Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve, c'est presque 10h du matin déjà. J'ai pas vlogué cette matinée parce qu'on a pris le temps, j'aurais pu vous filmer ça d'ailleurs, de regarder comment fonctionnaient nos... Qu'est-ce que tu as vu? Nos humidificateurs d'air, on a installé dans la chambre de Lily Rose. Comment s'est passée la nuit? Alors Eden, ça allait beaucoup mieux, il a plus du tout de phase de fièvre. En revanche, il a donné ça généreusement à sa sœur. Voilà, donc Lily avait un coup de fièvre et elle tousse. Donc voilà, je pense un rhume avec un peu de fièvre, plus la fatigue, ça fait un tout. Donc là, elle est de nouveau à la sieste. Et donc on installe l'humidificateur d'air. J'espère que ça va bien jouer parce qu'on m'a dit qu'au niveau des rhumes, c'était quand même assez efficace pour un petit peu les aider à évacuer. Et Chouchou, que vous voyez juste ici, est en train de vider la voiture parce qu'on va enlever le double coffre. Je cherchais un plus gros pull, là, Chouchou. Un plus gros pull? Ouais. Je cherchais ça. Parce qu'on va, en fait, la voiture a un double coffre, mais on n'utilise jamais celui du dessous. Et là, comme demain on part, on veut pouvoir utiliser notre double coffre. En gros, l'idée, c'est que tout ce qu'on a en porté soit dans le coffre et qu'on ait rien dans l'habitacle. Ouais, j'ai cherché le pull au Chouchou parce que le petit vieux, bah, il prend vite froid quand même. Bon, ça y est, on va commencer les valises. Alors, j'ai Eden qui joue dans sa chambre depuis un petit moment. Je ne sais pas ce qu'il me fait. T'as trouvé ta susu, toi? Espèce de coquin, va. Il se pose. Alors, où est-ce que je vais ranger ça? C'est une bonne question. Il se cache. Ouais, filou, ouais. Faut que je prenne la susu, on l'a laissé dans son lit parce qu'il n'allait pas devant. Donc, ça prend. Et maintenant qu'il y va. Aïe, aouh. Il va la chercher, mais du coup il faut qu'on la range en hauteur parce que je ne veux pas. Alors ça, il faut que je prenne. Hop, c'est son bas de rang de ski. Ses chaussures de ski, il faut que je prenne. Ouais, t'as vu, il y a des chaussures, mon cas. On va faire ses petites valises. Je vais prendre aussi tout ce qui est jeu. Hop, pour les enfants. C'est parti pour les vacances. Ça commence clairement à prendre forme. Alors ici, il y a dans ce gros sac, donc c'est mon gros sac week-end, qui sert plus que pour un week-end d'ailleurs, il y a tous les vêtements des deux enfants, plus les cotons avec l'eau nettoyante, micellaire, le paquet de couches de Lily Rose. Là, il y a les deux tenues, les deux combis des enfants, donc celle de Lily et celle d'Eden. Tu en as plus besoin de ça, c'est les couches pour bébé Lily Rose. Ses chaussures. Et dans notre chambre, pour le moment, j'ai sorti moi mes tenues. Donc ça, c'est mon pyjama. Mon gros pyjama magnifique. C'est pas un pyjama de base, mais voilà. Les hauts, les pantalons. J'ai fait trousse de secours. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mis dedans. Alors, mis à part une tissu de rechange et ma brosse à cheveux. J'ai mis du sérum Fi, des pansements, de quoi, si jamais ils ont de la fièvre ou autre, un respire, de l'arnigel, un antiseptique. Voilà, après on n'est pas dans un endroit non civilisé, donc s'il y a besoin d'autre chose, j'irai acheter. Mais on va dire de base, ce que je peux avoir besoin sur l'instant T, moi je l'ai. Puis ça sauterait. Non, en pleine forme, lui ça va mieux. Hein. Là il a récupéré du poil de la bête. Là-dedans, c'est tout ce qui est trousse d'hygiène. Donc j'ai mis gel douche corps et cheveux pour les enfants, pour nous. Brosse à dents dentifrice. Là, c'est la mini trousse de Anto où il y a son déodorant et son gel coiffant. Moi, j'ai ma trousse de make-up, mais dans la salle de bain pour demain matin. Et mon fer à lisser. Il faut que je fasse notre trousse de lingerie pour Anto et moi. Et après, il ne restera plus qu'à Anto à choisir ses fringues. Et niveau vêtements, ce sera bon. Et je ferai... Oups. Bah vas-y, va au pot, mon cœur, tu sais faire. Et après, je ferai le sac de jeu des enfants. Donc c'est bien, c'est que j'ai plein de tote bags. Donc comme ça, je les utilise pour... Tu sais, c'est celui du YouTube Space. YouTube Creator Day. Voilà, donc je vais mettre les chaussettes, la lingerie, tout le tralala. Comme ça, au moins, eh bien, on sera tranquille pour les vacances, quoi. On part une semaine, hein, faut le savoir. Donc du coup, je prévois du stock pour qu'on ne soit pas en panne de chaussettes. Et du reste, parce que bon, les chaussettes, c'est pas essentiel à la vie, mais ça aide bien quand même. Bon, voilà, tout ce qu'il y a sur le lit, c'est ce qu'on va embarquer. Donc là, je vous disais, les affaires des enfants, j'ai fait ce petit sac de jeu pour les deux. C'est tout rentré dedans, j'ai pris une sélection, je trouve que ça leur suffira largement. Ça, j'avais reçu quand j'avais eu un petit colis de Biolan. Et du coup, leur sac est très pratique. Ça, c'est le lit parapluie pour les Rose, qui est dans un lit normal. Là, ce sont donc les affaires. Donc, nous, tout rentre de là-bas. Il manque juste trois pulls à Anto qui sont en train de sécher. J'ai mis sur les chauffages parce qu'ils étaient sur l'étendage, mais ils sont pas secs. Et comme c'est des gros pulls, je veux qu'ils sèchent pour demain. Parce que voilà, sinon, Anto n'aura pas de pull pour là-bas. Donc, c'est un peu embêtant. Tous nos habits sont dedans, les couches, tout pour changer. Il reste plus qu'à préparer la partie alimentation. Donc, je vais faire un sac avec Eden qui chante en bas. Bah, voir. Les
Je prévois que je vais prendre le baby, le robot cuiseur, le bavoir. Je vais pas prendre des fruits et des légumes. Je vais peut-être en prendre vite fait pour faire un ou deux pots. Parce qu'on va aller faire les courses samedi après-midi. Parce qu'on est quand même dans un endroit civilisé où il y a grande surface, tout ça. La naine chante très fort. Voilà, donc normalement on est plutôt bon niveau quota. Il faut juste que je prenne maintenant la partie repas pour les enfants. J'ai pris, il y a serviettes et tout là-bas et draps. Mais j'ai quand même pris une petite cape de bain parce que là où on est, il n'y a pas pour les bébés. Donc voilà. Voilà, voilà, je trouve que pour une semaine c'est pas trop mal. On a réussi quand même à bien regrouper, sachant que c'est des vêtements d'hiver donc c'est forcément beaucoup plus épais. Voilà, après nous on n'a pas besoin de 50 000 tenues de rechange. J'ai même pas prévu une robe spéciale jour de l'an. J'avoue que je suis pas dans le. J'ai pas envie de me mettre en mode pomponné, tralala. Je me ferai une tenue que j'aime bien, un maquillage et puis voilà. Ce sera une soirée posée de toute façon, tranquillement, pour fêter la nouvelle année qui va bientôt commencer. Je pense que j'ai pas besoin voilà, de faire une tonne. Là j'ai ma soeur qui est passée parce qu'elle va venir nourrir Lounouche. Donc Lounouche n'est pas abandonnée, c'est elle qui va s'en occuper. Hop. Et on va prendre aussi un humidificateur d'air aussi pour là-bas. Donc il me reste tout un sac à préparer. You look at that, I said, my friend, what you looking at? I think she is something for me. Excuse me, miss, it's my first time here. Maybe you could show me out of here. I think she got something in thee. So please forgive my rudeness if I'm tripping over your time. But you look so amazing. On rassemble les affaires, donc nous pour les vacances on prend la Kidi puisqu'on la met en double. Alors on la mettra en double toujours avec le cosy parce qu'en fait celui-là peut s'allonger. C'est vraiment mon cosy préféré, je suis assez dommage parce qu'on n'a pas les bases isofix donc du coup habituellement au quotidien je n'utilise pas. Mais Lily Rose commence vraiment à être à l'étroit dans l'autre, donc début d'année celui-là qui est pour Eden, le bébé confort va aller à Lily Rose et Eden on va en avoir un autre parce que celui-là bah, c'est jusqu'à 102, 103 cm donc de toute façon c'était prévu qu'il aille pour Lily Rose derrière. Et du coup, on va faire le voyage avec celui-ci qui se met aussi sur la poussette. Alors ça, on l'utilisera en double de temps en temps pour quand on va aller surtout passer la journée. Quand on va partir sur des journées complètes et que Eden veut se poser, comme c'est un gros dormeur, parce qu'on va peut-être beaucoup marcher certains jours, je veux qu'il puisse au cas où se poser. Voilà, dans la poussette double, il pourra au moins être assis. Et je suis contente parce que j'ai remis la main sur ça. Ça, c'est... Pousse-toi, dis donc, c'est pas pour Miu Miu. J'ai réussi à me mettre déjà des poils dessus entre temps. Ça j'avais pour Eden et en fait je vais l'installer du coup dans la poussette et dans le cosy, surtout là pour le voyage pour Lily, ce qui fait qu'elle sera toujours au chaud et que ça sera sécuritaire. Ça c'est génial parce que ça n'empêche pas de l'attacher, vous voyez les passes et en même temps eh bien elle peut être au chaud la ninette. Donc je vais l'installer là dans son petit cosy et comme ça on va tout pouvoir embarquer. Et là je vais emballer les cadeaux d'anniversaire d'Eden. Maintenant avant qu'il les voie et comme ça on les mettra aussi dans le coffre pour là-haut. Il a deux cadeaux qu'on a pris, qu'il aura là-haut et le gros qu'il aura pour le jour de son anniversaire avec le reste de la famille. Puisque vu au moment où vous voyez ce vlog on est le 29 et donc du coup pour vous demain ça y est Eden aura 3 ans. Eden est né à 17h58, voilà. Donc, il est de fin de journée donc il aura 3 ans en fin de journée. Voilà, chaque heure où je pourrais dire qu'il a encore 2 ans quelque chose, je le garderai. Parce que les enfants, ben voilà, c'est comme ça, ça grandit vite. Hein. Nous aussi, en même temps, on est les enfants de nos parents et pour eux aussi, on grandit vite, quoi. Bref, ça avance, le départ approche. Je suis trop contente, ça va vraiment nous faire du bien de sortir de la maison et d'avoir le sentiment d'être bah ouais, en vacances, quoi, en quelque sorte. Alors, coucou, on se retrouve avec mon petit Eden. C'est 5h30, il a dormi jusqu'à 5h. Oh, ma ninette. Oh, tu bailles. On se regarde une petite série tous les deux en mode mère fille. Oh. Et Lily Rose elle est dans le transat. Quand elle est dans le transat. Oula, oula, oula. Oula, qu'est-ce que tu fais? Oui, je sais, j'ai mis pause. Qu'est-ce que tu veux? Va chercher si tu veux, mon cœur. Et du coup, j'ai mis dans le transat parce que quand elle est comme ça, de toute façon, c'est le seul endroit où elle est bien. Parce que dès qu'on la pose après par terre, elle est pas bien quand elle est malade comme ça. Ça va, mon amour. Oui, elle a des petits yeux, la ninette. Je disais, pourtant, je vais donner un suppôt de coque lucidale pour l'aider, parce que c'est ce qu'il y a de mieux que je connaisse pour la toux. Oh, à tes souhaits. À tes amours. Alors, ah oui, t'as quand même le sourire, mon petit ange. Oui, maman va remettre la série, mon cœur. Ben, heureusement qu'il est là, hein. Ah, sinon, qu'est-ce que t'es triste, hein. C'est rigolo de jouer ensemble.
Bon, elle a refait une sieste, elle a fait 3 siestes aujourd'hui, je pense qu'elle en avait besoin. Elle est contente, il s'est approché. Bon, bientôt tu te fais quoi? Non mais tu tousses encore toi? J'en peux plus de vous. J'en ai marre des microbes. Franchement, dis-moi la fin de l'hiver et qu'ils aient fait leur immunité parce que... Oh là 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 là. I'm addicted to the love that you're giving. Every minute, every day, I've been craving. Ici, c'est l'heure du coucher des enfants. J'ai un bébé qui a piqué les cheveux. Aïe. Et comme vous pouvez l'entendre, se bien la pauvre minette. Je vois que c'est en train de dormir là-bas. Regardez-les. Sors le pull air, s'il te plaît, mon cœur qui est sur le chauffage. C'est le sien que j'ai mis là pour qu'il sèche plus vite. Vous jouez. Ah, je prends celle-là. Ah, c'est gentil, celle qui marche pas. Ah ouais, ah ouais. Faut qu'on en trouve une autre, le pauvre. On peut pas faire la course. Oui, on achète des choses neuves et au final, il y a. Enfin, on achète. C'est un cadeau. C'est neuf. Ah. Et il y a une voiture qui marche pas et c'est Cars, donc je vous dis pas le drame. Oui. Enfin, c'est pas Cars, c'est McQueen. McQueen qui marche pas sur les deux. Allez, Dan. Oublie mon cœur. Il se coince le bras, c'est pour ça. Allez, au dodo. Oh, oui. Mon petit yeux, mon ami. I've kept my heart inside a box throughout.